Bonjour, bonjour, nous sommes partis sur le Choc des Titans, nous sommes partis sur la première édition du coup de rencontre en BO5 entre deux joueurs, donc le gagnant évidemment va rester et se reposer contre quelqu'un d'un niveau équivalent. Ce soir, si vous ne connaissez pas les personnes, nous sommes sur Darkthur et Mr. Alpha. Darkthur qui est un joueur de l'équipe 404 et Mr. Alpha qui joue pour Boreal Gaming. Deux joueurs qui sont à un niveau qui est supposément très très haut quand même, hein. C'est deux très gros joueurs. Le Poison qui est directement envoyé pour Darkthur, qui joue Béla Dragon et Poison, évidemment qui arrive à des 216 dégâts et qui prend un petit avantage ici parce que les deux joueurs ont claqué autant d'élixir. Alors, côté Mr. Alpha, on est parti sur du Cimetière Mousquetaire et Fournaise, ce qui est une version assez originale du deck évidemment. Les gars qui ont fait un très bon travail défensif, cependant on va quand même prendre quelques dégâts. Maintenant qu'on le sait, côté Darkthur, on va la jouer probablement un petit peu plus fine. On va bien garder le poison pour gérer le cimetière. Donc là, Mr. Alpha qui approche, c'est du fait qu'on connaisse pas trop le deck en face pour mettre quelques bons dégâts. On va repartir sur du Molosse, donc c'est bien du Molosse, et ressembler à un côté Darkthur évidemment. La tour qui va faire un bon travail défensif, je vous remets bien la caméra évidemment. Pour que vous profitez de la magnifique vue d'armes. Donc ici la fournaise qui est remise. Évidemment les esprits de feu vont mettre quelques dégâts, mais jusque là bon, pas tellement. Donc le Molosse hein, crée évidemment son chemin vers son avenir, hein, sa destinée sur le jeu. Oh, il est intercepté par la MG. La MG qui a fait un gros travail ici sur ce Blue Dragon. Il faut aussi aller sniper hein, cette mousquetaire. Très bon poison de la part de Darkthur. Ici on va évidemment chercher la fin de cette mousquetaire pour mettre un maximum de dégâts avec les roquets. Hein, les roquets qui mettent du 45 par seconde pour rappel. Et les roquets qui passent et qui réussissent à mettre des bons dégâts. La MG également qui tombe. On a un avantage de dans l'élixir. Par contre voilà, il y a cette fournaise. Il faut la gérer. C'est très bien utilisé. Hein. Ce feu de barbare qui va permettre de rétablir complètement la donne. Le feu de barbare. Malgré la mise à jour, ça ne lui pose pas de problème. Ça reste évidemment une très bonne carte. C'est pas la carte qui est la plus impactée par la mise à jour, comme vous pouvez vous en douter. On remet une petite tombstone défensive. On sait très bien qu'en face, ça ne joue pas de bélier et compagnie. On peut se permettre de mettre ça. Là, on n'est pas en protection sur le poison. Il me semble bien qu'on a mis un poison offensif. C'est exactement ça. Du coup, il va falloir se défendre au maximum avec un, bah, pour donner un minimum de valeur. On a quand même réussi à mettre des bons dégâts côté Mr. Alpha. C'était bien joué. On a profité du fait que le poison ne soit pas en rotation pour envoyer un petit push à base de bah, du coup fuite barbare, cimetière, poison, hein, la combo basique mais qui fait très très mal. Et par contre voilà, maintenant on voit un énorme push, le boloss qui est reparti avec l'infernal derrière, le fût qui est envoyé, le bon poison offensif également défensif, on laisse rien au hasard des deux côtés. La MG elle va faire un bon travail, elle va permettre de tomber l'infernal, le mineur par contre également très bon mineur qui va rajouter des bons dégâts, hein, le mineur 64 dégâts par coup et il reste pas mal de rookies en vie. Dont pas mal qui arrive à taper la tour et pas forcément le petit squelette. Et on a repris un petit avantage en dégâts hein, côté d'Arthur. À tout moment, par contre, ça part en cimetière de l'autre côté avec un petit fuit de barbare cimetière. Ça peut aller très vite. Le fusilier qui est mis, on bloque la mousquetaire et le poison offensif également. Quelques dégâts qui vont être remis hein, de nouveau ici, évidemment. Il faut défendre au mieux ce cimetière. Le cimetière qui met le bâtiment à 697. Là, potentiellement, ça peut être la fin. Ça peut être le push de la fin côté d'Arthur. On essaie de tout mettre. L'infernal qui est une bonne pression. Le mineur qui est envoyé également. Et là, voilà, on va employer un poison offensif et à tout moment ça va faire très très mal. Les roquets qui sont en train de bien gratter. Est-ce que ça va suffire ici? Ça ne suffira pas à 4 points de vie près. Par contre, le barbare, si je mets un shot, c'est fini. Ok, on reprend la grosse infernale. C'est infernale, pareil, hein, mais un seul coup, c'est fini. Ça peut être très vite, il faut tout mettre hein, côté de Mr. Alpha. Mais le mineur va être. Va finir, hein, évidemment. Bien joué pour Darkthur. Le match-up est dur hein, ici, côté Mr. Alpha, évidemment. C'est pas jamais évident hein, de jouer contre du cimetière quand en face il y a, bah, y a poison évidemment. Donc pour l'instant on a 1-0 pour Darkthur. Et de nouveau un Darkthur request. Et ok, c'est bon, c'est envoyé directement. La request qui est faite par Darkthur, donc là ils ont une minute pour aller accepter et c'est parti. Les deux joueurs qui sont partis dans la suite du BO. Donc déjà le premier match qui était très très serré entre les deux joueurs évidemment. C'est pas surprenant, les deux qui font des pareils, hein, souvent des belles performances en tournoi. On vous montrera leur profil après, évidemment, à la fin du BO. Vous aurez absolument toutes les infos que vous avez besoin de savoir. Mr. Alpha, Darkthur, qui l'emportera ici? Ou ma coupe de cheveux, évidemment, hein, peut-être ma coupe de cheveux hein, qui est un petit peu. When again, beast to fly. Ok, du zap côté Darkthur. On met un premier poison pour les gratter la machine volante et un peu la tour. Qu'est-ce que ça pourrait être côté Darkthur qui joue du zap? Est-ce que ça serait pas une version avec de la PK du coup? Il y a des chances, hein. Il y a des chances que ce soit ça. Mr. Alpha qui est parti sur une cabane barbare, malgré le nerf, hein, ça lui pose pas de problème. Il joue potentiellement la version effet cochon royaux. On verra bien, peut-être qu'il a fait une variation hein, d'ailleurs avec la méta. Peut-être qu'il s'est dit tiens, on va jouer les barbares, on verra bien.
En tout cas, voilà, c'est ça, ça nous confirme bien que c'est du Pékin, le fait qu'il y ait Electro Wizard. Par contre, voilà, voilà le seigneur aérien qui est là, l'Electro Dragon, une carte qui est extrêmement puissante, vous le savez. Le Fuse Barbare qui permet de bien contrôler la Pékin, qui synergise également très bien avec l'Electro. Mister Alpha, il met un petit smile, il est content ici, hein, évidemment, il sait très bien que son Electro, il a fait du bon travail. Mais on est à 10 d'élixir, hein, côté d'Arthur, on devrait réussir à se défendre. Voilà, on va mettre un petit peu Dragon qui va également gérer les pop de la fournaise. Pardon, de la cabane de Barbare. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que je veux dire, les pop de la cabane. La machine volante qui va demander une réponse ici. Voilà, on va mettre les gargouilles. On peut pas les laisser en vie. On peut vraiment pas les laisser en vie. À gauche, par contre, il faut se défendre. Electro Wizard qui va être mis. Mais ça suffira pas. Il faut mettre autre chose. Mais la très belle voleuse. Et là, on a rien pour défendre en plus. Et ça va faire très très mal. Cette voleuse qui va connecter. Les barbares qui arrivent à toucher à tour. 159 dégâts qui sont passés. À droite, ça va mettre également quelques petits dégâts. Et là, c'était un très beau push hein, de Mister Alpha qui a réussi à prendre une bonne rotation par rapport à Darthur. Et il a en plus 2 délicieux d'avance ici. Le barbare qui mettra pas plus de coups. On revoit un petit fut de barbare, c'est bien joué. Ça force un zap. Normalement, ça devrait pas connecter avec ce zap, évidemment. On remet une cabane. Et côté d'Arthur, on va sûrement mettre le Pékin dans le bac, j'imagine. Ok, non, on met un BD dragon. En face, hein, la battle ram est revenue, la volée également, l'électro dragon également. Voilà, l'électro dragon qui est posé. Et là, on n'a pas de quoi aller chercher. Hein, donc potentiellement, on va mettre un poison. Voilà, le poison qui est mis directement, qui va permettre de gratter l'électro dragon. Qui va lui mettre des bons dégâts. Hein, comme on le sait, il est assez sensible à tout ce qui est poison et compagnie. Par contre, les gargouilles, elles sont en train de se faire découper. Et en plus, la volée qui réussit à connecter, ça va être très dur à défendre pour Darthur. Et là, en plus, on a mis l'électro wizard. Il faut à tout prix mettre un zap également sur les battes. On va prendre très très cher sinon. La boule de feu qui met une bonne value. Voilà, on a mis le zap, mais on s'est quand même pris beaucoup de dégâts ici. Hein, malheureusement, c'est compliqué. Hein. Là, on a une très bonne pression côté Mister Alpha. La Pekka qui défend, qui tanque la planète, qui tanque 3 ans, qui tanque absolument toutes les troupes. Et voilà, on part à l'attaque maintenant qu'on sait que l'électro dragon a été claqué à gauche. C'est bien joué, hein, ce push côté d'Arthur. On sait très bien voilà, que le problème en face, c'est principalement l'électro dragon sur ce genre de push. Et il est heureusement out of rotation. Par contre, voilà, la machine volante qui fait encore une fois un gros travail. On a quand même pu aller chercher la cabane. Il faut la redéfendre. Il faut mettre un électro wizard, quelque chose comme ça à droite potentiellement. Ok, non, on accepte les dégâts, si c'est bon, mais Electro Wizard, et on repart en push, par contre c'est Electro Wizard qui va tanker à tour malheureusement, qui va également se prendre la voleuse, et voilà, Electro Dragon en défense, ça va faire très mal, par contre le poison, effectivement très beau poison ici, côté d'Arthur. La Battle Ram qui va se transformer juste avant, normalement Electro Dragon devrait survivre, mais pas grand chose, et on est reparti à gauche avec le Fuse Barbare, machine volante, c'est très agressif, mais c'est bien joué, là on est obligé de mettre les gargouilles, et ça devrait suffire ici, les gargouilles qui devraient faire un bon travail défensif, on ne prend pas de dégâts sur la tour. C'est vraiment très très serré, hein. Évidemment ce matchup c'est dur, hein. Si ping pong t'es fiou 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 fiou. Alors l'électro wizard qui va faire une belle défense, à gauche on a par contre quelques pop de barbares, il faudra peut-être falloir les défendre, oh là là, et l'électro dragon encore une fois, hein. Il est encore en train de briller dans ce qu'il fait de mieux, l'électro dragon, hein, contrôler plusieurs troupes, faire de la défense, le bon poison, hein, côté de enfin le poison qui permet un peu de finir mais qui touche pas la cabane, ça coûte cher hein, quand même malgré tout ce poison, et du coup on aura peut-être besoin défensivement autant des ressources que du poison, faut faire gaffe, le zap qui peut être mis à tout moment hein, pour aller chercher un peu les zaps et la machine, la boule de feu, 201 dégâts, ici on est en train de mettre des bons dégâts. Ça me fait penser que j'ai pas mis de règle en cas de draw, hein. Donc après le match, évidemment, on va mettre une règle. Normalement, il devrait pas y en avoir, hein. Il reste plus qu'une minute 40. Mais sait-on jamais, on est reparti à l'attaque. L'électro dragon qui va être utilisé offensivement, probablement. La machine volante également. Le poison pour aller gratter. Et s'il peut mettre des bons dégâts, hein, si elle va connecter cette voleuse, il n'y a plus d'armes d'élixir en face. La voleuse qui connecte 320 dégâts. La gargouille également. La pe... C'est très très serré. Hein. Darthur qui est bien remonté sur ce push. La voleuse il a pas besoin de la surdéfendre à droite, hein. Lui ce qui l'intéresse surtout ça va être de pouvoir contre-push ici. Il essaie de partir sur son bélier de combat, il va potentiellement essayer de resacrer rapidement un poison. Ah il a voilà, hein, il arrive à contrôler l'électro dragon qui est un petit peu haut, ça met des bons dégâts, la voleuse, le bon poison encore une fois hein, qui permet de gratter 216 dégâts. Et là il repasse bien sur la tour, il faut par contre défendre à gauche, les gargouilles qui sont mises, le barbare connectera pas. Ok, on repart sur une battle ram, on essaie à tout prix de passer ici. Hein. Ça risque de pas être évident, on peut claquer un zap sur les battes, c'est bien joué. Le zap qui retire un peu de pandit également sur la voleuse. Et là, voilà, il faut redéfendre, mais on a de quoi défendre, on peut reposer une cabane, bah, la voleuse qui va être interceptée. Il reste plus que 44 secondes, potentiellement ça va quand même finir en draw cette histoire. Le dragon qui est remis, et voilà, on recycle la boule de feu, on n'a pas envie de draw hein, côté Mister Alpha, donc on essaye de recycler les boules de feu, hein. La prochaine boule de feu recyclée ça gagne, donc il reste plus que 3 cartes, plus que 2 cartes pour récupérer la boule de feu, et côté d'Arthur on fait pareil, on essaie de passer, on essaie de mettre un maximum de pêche, il reste plus qu'une carte maintenant pour être recyclé côté Mister Alpha, il reste plus de cartes, hein. Maintenant si on arrive à défendre ça, on peut mettre une boule de feu offensive, et à tout moment elle part, et là voilà, et c'est la victoire de Mister Alpha, waouh, c'était serré, hein. Donc il y a 1-1, et on va donner la règle en cas de draw.
hop, je leur précise avant qu'ils acceptent. Comme ça, ils le sont. Hein. Tiens, un draw, c'est la tour la plus basse. La règle est claire. Et c'est parti. 1-1, donc pour rappel, c'est du BO5, donc le premier qui arrive à 3 points, et on est reparti entre les deux joueurs. On a vu qu'il y avait un niveau, hein. Il y avait un très bon joueur entre ces deux joueurs. Qui réussira à l'emporter et qui sera du coup celui qui restera sur le channel. Nous avons envie de voir ça, la fournaise qui est remise, côté d'Arthur. Mister Alpha qui pose un premier bûcheron, la machine volante pour aller chercher ça. Mister Alpha qui a l'air d'être parti sur une version molosse ici potentiellement. En tout cas, hein, généralement quand il y a bûcheron et machine volante, c'est souvent du molosse. La tour qui a fait une belle défense, la boule de neige également, boule de neige qui est une carte qui est très très solide. Ça m'étonnerait pas qu'ici, côté Mister Alpha, ce soit une version clone même. Allez, on call comme ça. Mais c'est peut-être pas, hein, peut-être que c'est une version classique, mais ça serait marrant en tout cas de voir du clone. Ou le petit esprit de feu qui passe, d'Arthur qui a l'air parti, hein, sur une version géant royal. On les connaît, il y a des clistes, hein, il reste électro. Il est parti très offensif. Normalement, il joue foudre, hein, ici. Et voilà, vu la decklist de Mister Alpha, c'est quasiment sûr, c'est du Molosse Clone. Hein. Donc là, pour moi, le matchup est quand même un petit peu pour Mister Alpha. Parce que si on joue foudre, on a rien pour aller vraiment empêcher ce clone de mettre des dégâts monstrueux. Hein. On joue pas de poison, on joue pas de zap, on joue fuite barbare et foudre. Et du coup, évidemment, ce matchup là est pas forcément évident. Surtout en x2 quand il y a des énormes push et que ça clone de partout, on est souvent dans la banane. En tout cas, du coup, il a réussi à gratter des bons dégâts, mais par contre, voilà, il y a un Molosse full vie qui arrive en face. Il va falloir le gérer. On a récupéré le B-Dragon, on a récupéré les MG. Ok, la machine volante qui est mise, qui va faire mal ici. Hein. On est obligé de foudre, mais derrière le B-Dragon, voilà, il faut gérer avec notre propre B-Dragon. Mais c'est le Dragon en face qui a gagné. Le clone qui va faire très mal ici, hein, évidemment. On a plein d'esprits, plein de roquets, hein, les roquets qui mettent du 45 par seconde et qui vont complètement annihiler le bâtiment. On a gardé l'Electro Wizard pour défendre, c'est très bien joué de la part de Darkshire. Mais évidemment, hein, c'est compliqué, hein, ce match-up. On est obligé de claquer le genre d'Electro Wizard pour défendre, mais ça coûte cher. Faut pas hésiter, hein, évidemment, à clone le Molosse dans le cas de Mister Alpha. Et on a quand même bien clone, bien call, c'est un clone. On l'a senti venir. Le Géant Royal qui est remis. Le Pichon qui est en train de complètement découper la partie, qui est en train de tuer le Géant Royal, qui arrive quand même à connecter 3 shots ici. C'est énorme, hein. Pour rappel, c'est 3 fois 254, ça met des très bons dégâts. Les gardes qui vont permettre de défendre ça, mais disons, par exemple, on devrait s'en occuper. La machine volante également, on peut mettre une MG sur la machine volante. C'est le play à faire, voilà, la MG qui est mise, hein, pour rappel. Elle met 2 coups, hein, pour finir la machine volante. Par contre, voilà le problème, hein, on met directement le clone, ça force un électro bizarre, mais cependant l'électro bizarre n'est pas déconnant, hein, parce qu'ici on a le B-Dragon qui arrive à faire aussi une belle défense qui permet de tuer le B-Dragon en face et au final on va pas prendre si cher que ça. Et potentiellement on part sur un géant royal et ici est-ce qu'il pourrait pas le faire? Par contre ça va claquer l'armée de squelette et on a rien, il faut fuite barbare, il y aurait limite full pre-shot, hein. C'était sûr que ça allait mettre l'armée de squelette ici, il fallait vraiment sauver un maximum de points de vie au géant royal. Est-ce que c'était pas une petite erreur de ne pas avoir pre-shot ici côté d'Arthur, hein, c'était sûr que ça allait arriver. Il faut vraiment qu'il aille plus vite que l'adversaire, mais ici voilà on a récupéré le clone, on a récupéré le Molosse, ça peut aller très vite, hein. C'est bien joué, ça on temporise bien, on va sûrement pouvoir mettre une MG également pour aller défendre la machine volante. Par contre les bats vont nous embêter. Très bon électro bizarre, très bien joué de la part de Arthur. Le clone qui peut quand même faire mal à tout moment, hein. Faut faire gaffe, le clone qui est posé. Est-ce qu'il arrivera à aller plus vite? Est-ce qu'il arrivera à tenir assez? Allez, le Géant Royal qui peut mettre 3 shots ici. Non, il en mettra qu'un, malheureusement, on n'a pas de connexion fuite barbare. Et par contre la foudre, hein, qui peut presque finir, c'est 307 pour la foudre. S'il arrive à connecter avec n'importe quelle carte, ça peut finir. Et si le barbare met un shot, c'est la foudre! La foudre qui va tomber! Oh là 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 là, d'Arthur qui l'emporte. Oh, ce match était fou. Ce match était insane. Les deux joueurs, hein, ont très bien joué. 2-1 pour d'Arthur. Et normalement c'est d'Arthur qui... Ouais, mais c'est pas grave, ça va enchaîner. Donc si d'Arthur gagne, il emporte, hein, cette première édition. On verra bien du coup qui gagnera. J'ai encore un doute sur le nom, hein, je vous avouerai, donc je vais le communiquer, mais je réfléchis encore au meilleur nom pour ce format. Alors, la cabane qui est mise côté d'Arthur. Ouf, on répond par un golem mis côté Mister Alpha. On verra bien quelle version il joue, hein. C'est une version prince, est-ce que c'est une version voilà, prince chasseur, est-ce que c'est une version électro-dragon, est-ce que c'est une version... Sorcière de la nuit, bûcheron, une version classique. On ne sait pas, hein. Il y a plein de versions de golem qui tournent. En tout cas, on va aller chercher directement cette cabane. On a vraiment pas envie d'avoir envie. On verra bien également si ça joue foudre ou pas. En tout cas, si ça joue foudre à tout moment, la met. Poison également, évidemment. C'est une des meilleures réponses ici. Oh, les bats qui vont faire mal. Mais la belle neige qui aurait pu chercher les bats également. C'est dommage ici. J'espère que ça va même réussir à finir le. Oh, oui, c'est bon, elle réussira à temps. Par contre, voilà, la machine de vente va faire des très bons dégâts. On n'arrivera pas à mettre tant de dégâts que ça, hein, côté Mister Alpha.
Mais on a pu aller chercher cette cabane. Voilà, là c'est là, on va voir la version qui joue. C'est bien ça, c'est la version avec le prince et les gardes. Donc une version très défensive du golem. Par contre ici, hein, il faut qu'il défende. La machine volante qui va faire très mal. Et on est en train de bourrer complètement côté d'Arthur. On sait très bien qu'en face, il n'y a pas de... Il y a plus les gardes, il hein, n'y a plus les compagnies. Donc là, on est en train de mettre des bons dégâts. Le barbare qui est connecté un petit peu. C'est pour ça que c'est mieux que ce soit tout le temps le même qui request, parce que c'est tout le temps le même qui est dans le même sens, c'est celui qui request qui est en bas. Donc je ferai bien attention hein, la prochaine fois à ce que ce soit toujours le même qui request. C'est plus simple pour suivre un peu la partie. En tout cas, pour l'instant, Mister Alpha qui est un petit peu derrière en termes de points de vie, mais le matchup pour lui en x2, en x1, c'est déjà plus compliqué. Enfin, le matchup est relativement serré, hein, évidemment il est relativement even, mais potentiellement il est quand même un petit peu mieux en x2. Quoique, il y a eu le nerf hein, des barbares, donc peut-être pas en fait, hein, peut-être qu'il est simplement mieux, Mister Alpha, je suis pas sûr, post-nerf, je vous avouerai, là on a une occasion de voir, en tout cas les barbares qui réussissent à mettre des bons dégâts, 159 par shot de barbare. Et là ça pourrait être comme compagnie côté Mister Alpha, on va sûrement envoyer un petit poison, le poison qui va faire un très bon travail ici, mais l'électro-dragon également, le golem qui devrait tomber sans réussir à collecter sur la tour, la machine de volant très bien mise par Arthur, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer le match-up, hein. La machine de volant qui va faire un gros travail, qui va complètement découper l'MG, on va sûrement repartir en push, voilà la poloise qui est mise, est-ce que ça va pas plus vite que le prince? Ok, ça va, heureusement, une belle boule de neige à côté Mister. Par contre, la machine volante qui connecte, oh, qui est en train de mettre des dégâts sérieux ici. Normalement, on joue un poison côté d'Arthur, donc il faudra deux poisons pour aller finir. Par contre, il faut se défendre ici. La machine volante qui a dû être mise dans le poison, malheureusement, ça coûte assez cher, mais c'est le chasseur qui a pris. Ok, c'est une boule de feu. Donc il faudra deux boules de feu si on va aller finir. Le Mister Alpha qui est d'Arthur, qui a autant de ressources ici à tout moment. Hein. S'il réussit à coller deux boules de feu d'Arthur, il peut l'emporter. Mais comme vous le savez, c'est pas un deck qui est trop cheap. Hein. Donc s'il veut recycler deux boules de feu, le golem sera là avant. Il part sur la Battle Ram sur la même lane que le golem et ça risque d'être compliqué. Hein. Les barbares qui vont se transformer avant, il aura du mal à réussir à passer quelques dégâts. Mais une boule de feu, on espère avoir une collection de barbares. Mais ça va pas suffire ici. Et je me demande si c'est pas Mister Alpha qui va l'emporter hein, malgré tout ici. Parce que du coup, on a claqué beaucoup pour les défendre. Le poison qui est mis. Par contre le golem hein, qui va être défendu et non, normalement on devrait réussir à défendre. Et après on aura juste à recycler la boule de feu. Il reste plus qu'une carte à recycler pour la boule de feu côté d'Arthur. Une carte, hein, une carte et... Ah non c'est bon, le barbare qui va les finir. Et c'est d'Arthur qui emporte cette première édition. Bonjour vous deux. Ouais. Alors du coup, moi j'ai trouvé que c'était très serré votre rencontre. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais. Ouais c'était assez serré. Et c'était des bonnes games. Ouais, c'était des très belles games. Et du coup, j'ai vu que vous avez joué pas mal encore des archétypes avec des barbares. Donc, vous pensez que c'est toujours bien malgré le nerf La cabane de barbares. Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve que ça marche toujours bien. Ça permet de bien temporiser. Et contre certains match-ups, ça c'est fort. Ok. Après, voilà. C'est peut-être pas les plus méta, mais ça va. Ouais, même si les barbares. Moi je trouve si les barbares, même s'ils sont des pop assez vite, je trouve qu'ils font quand même assez du bon taf, donc moi je continue à les jouer. Ok. Il y a eu un match-up que j'ai particulièrement kiffé, c'était le clone contre le géant royal. Ouais c'est ça, c'est un deck que j'ai trouvé en TV Royal et je trouvais qu'il était fort, donc du coup j'ai voulu essayer de le jouer. Ça a failli passer mais bon, bah j'ai perdu. Ouais je trouvais que Darkshur il est quand même vraiment bien joué parce que c'est pas évident de gérer ça avec la foudre. Et bon après c'était très très serré, hein. Ça s'est vraiment joué à absolument rien, mais c'est pas évident hein, de gérer un Molos clone. Ça surprend un peu. Ouais en fait, pareil, j'ai vu les premières flashs, je me suis dit ça m'étonnerait pas que ce soit du clone, et puis après quand il y a l'armée de squelettes, généralement je me suis dit ça. Non, il était plutôt sexy hein, ce deck et le match-up aussi. Hein, c'était les électro bizarres, il fallait vraiment pas les rater là-dessus. Hein. Ouais, il m'a vraiment dépop juste sur l'électro bizarre, j'ai rien compris. Ouais, c'est les électro bizarres qui ont vraiment fait un gros taf défensif. Et c'est vrai, heureusement qu'il est dans le deck, hein, l'électro bizarre. C'est quand même un deck qui est tellement complet, ce deck géant royal foudre. C'est vrai que c'est un deck qui gagne pas mal de match-up, il y a vraiment. C'est plutôt 50-50 avec à peu près tout, du coup bah si tu joues bien ton deck, normalement t'arrives à peu près à passer contre tous les matchups. Ça peut être un peu compliqué ouais. Contre les cabanes, mais même avec la foudre ça peut passer. Tu valides Mister Alpha? Ouais mais je trouve j'ai mal joué sur le. C'est en fait c'est genre j'ai clone sur le Molos. Ouais. Mais en fait je savais qu'il avait l'électro bizarre des. Enfin j'ai mal joué. Ouais. Attends un peu. Enfin voilà quoi.
Ouais, il y a un monde dans lequel tu passais quand même sur. Mais après, je trouvais que les match-up, au final, on a eu un peu de chance parce qu'ils étaient. Enfin, il n'y avait pas des 100 à 0. Hein. Je trouvais que c'était chaque match-up pouvait être jouable. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, après peut-être le manque de train pour moi, parce que enfin, en ce moment je peux pas trop jouer, du coup bah c'est compliqué. Ouais, bah après, vous avez quand même un niveau qui est quand même pas très très loin l'un de l'autre, hein, je trouve. Hein. En tout cas, c'était clairement pas écrasant. Hein. Les parties, elles se finissaient à 300-400 HP sur la tour à chaque fois. Ouais, mais non, mais il a bien joué, il a bien joué. Après, J'ai un faudrait que je peu traîne encore un peu. moins joué sur ma défaite là, j'ai un... À un moment je suis resté à 10. Je savais pas trop quoi faire, j'ai un peu paniqué, mais j'ai réussi à revenir à la fin. Même si je perds, je reviens à 100 points de vie, je crois. Ouais, tu reviens avec le dernier poison pas très loin. Et c'est vrai que Mr. Rafa, il avait commencé à cycle BDF et tu pouvais pas loot cycle là-dessus. Hein. Mais j'avais beaucoup aimé à un moment Mister Alpha sur cette défaite-là, il a réussi à mettre un gros push sur à droite de Mister Alpha et à gauche pour toi d'Arthur sur un moment où t'avais pas les cartes en rotation, donc t'as mis une Battle Ram voleuse où tu pouvais pas vraiment défendre. Et il a réussi à te caler peut-être à peu près 1000 dégâts là-dessus et c'est vrai qu'il a pris un bon avantage sur ce push. Oh, en fait, je savais qu'il avait plus rien pour défendre ma voleuse. En fait, au début, je voulais mettre des bats, mais je savais qu'il y avait trop usard, du coup, j'ai mis une voleuse et enfin, ça l'a tué, quoi. Ouais. Parce que la plupart du temps, Arthur, il était obligé de garder en plus le zap pour gérer les bats parce qu'elles font tellement mal. Bon, en tout cas, c'était bien cool. Moi, j'ai bien aimé. Donc c'était vraiment chouette. Puis bah, bravo à vous deux, du coup. Donc voilà, nous sommes sur la fin de cette première édition entre Darkthur et Mister Alpha qui se solde par une victoire de Darkthur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Également à proposer un champion auquel on pourrait affronter Darkthur si vous avez envie. Ou vous proposez vous-même, hein, ça marche également. Vous pouvez choisir votre propre nom. Et je vous souhaite une excellente journée.